Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo à l'heure où je vous parle en tout cas. Normalement il y en aura une autre qui sera sortie juste avant. Quelle introduction précipitée. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas pris cette caméra et je tourne une vidéo désormais tout de suite en rentrant du travail. Mon premier jour de travail à la reprise après les fêtes de fin d'année, tout ça, c'est super cool, je suis content. Ça m'avait manqué, on va essayer de prendre un peu un nouveau souffle pour cette nouvelle année. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà vu une autre où j'explique un petit peu certains trucs. Du coup, pour ceux qui l'auraient éventuellement pas vu, allez-y, il fait très sombre dans mon appart, il y a tous les volets qui sont fermés. Je rentre à peine. Je me suis empressé de prendre ma caméra pour tourner cette petite vidéo car je suis très excité de la faire. Ça fait longtemps que j'attends pour la faire et vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure, hein, je vais vous expliquer tout ça. Mais d'abord, permettez-moi d'enlever ma veste et après on se pose, on se fait ça bien. Je pense que vous aurez vu dans le titre de quoi il s'agit. Ça va être un grand moment pour moi. D'ailleurs, oui, petite parenthèse avant d'enlever cette veste. Elle fera aussi peut-être sujet d'une prochaine vidéo accompagnée de ces deux articles-là. Ces trois nouveaux articles, voilà, j'ai vendu les anciens, je me suis acheté des nouveaux. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet, donc moi je m'empresse d'enlever cette veste et de vous récupérer juste après. Patientez un petit peu, s'il vous plaît, ça serait gentil, merci beaucoup. Ok, du coup me revoilà, on va chercher le petit colis dans mon armoire. Ça va être une expédition très très dangereuse, je pense, très très importante. Et aussi j'ajouterais que ce colis je l'ai depuis à peu près, je sais pas, 3 semaines. Je sais plus quand c'était sorti à vrai dire, mais ça fait facilement 3 semaines je pense, 3 semaines un mois que je l'ai dans mon armoire et que je l'ai pas ouvert. J'ai pas pu faire de vidéo de tout le mois de décembre parce que j'étais occupé non-stop, tout le mois en fait, tout simplement. Et ça aurait été très technique de caser rien que le tournage de cette vidéo, même si elle va certainement pas durer très longtemps. Mais du coup c'est cool, c'est là, regardez, mon armoire là. Vous vous souvenez peut-être de cette magnifique armoire que je vous ai présentée dans mon appartement tour, comme on appelle ça aujourd'hui. Regardez comme elle est belle. S'il te plaît, merci. Voilà, donc il y a quelques paires, mais il y a aussi beaucoup d'articles ici que je vends, des trucs suprêmes, des trucs palaces, etc. Voilà, c'est majoritairement ça. Et il y a notamment, bah, du coup, ce colis que j'ai, bah, depuis qu'on a reçu les commandes en ligne lors des drops des box logos de cette année. Faudrait d'ailleurs que je mette mon Vinted à jour, puisqu'il y a pas mal d'articles que je dois ajouter. Mais voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, de toute façon, je le dis quand j'ajoute des nouveaux trucs, etc. Donc voilà, venez, venez. En plus, vous allez voir la taille, la couleur, j'ai tapé dans le mille, on va dire. Je me suis dit, tant qu'à faire, c'est déjà, j'en tente un, j'essaie de me faire plaisir. Regardez-moi ça, même le frigo est customisé, on a le cerveau lavé à 100%, il y a pas de souci. Non, ça va, j'ai trouvé ça rigolo, me jugez pas, s'il vous plaît. Ça serait gentil. Du coup bah voici le colis qui contient le box logo, le fameux box logo. Et moi ce que je voulais faire c'était immortaliser ce moment en fait, tout simplement. C'est pour ça que je l'ai pas ouvert avant, puisque je voulais absolument faire cet unboxing en vidéo. C'est un truc important pour moi, c'est pas l'article en lui-même qui est important, c'est parce que j'ai réussi à faire ça moi-même. Voilà, je l'ai acheté de mes propres moyens, on va dire, sans bot, sans rien, enfin je l'ai fait avec un autofil sur le site. Quand c'est sorti, je suis super content. Et c'est pour ça que je veux le garder et que je vais le porter. Parce que honnêtement, je suis vraiment pas fan des box logos de manière générale, pour en toucher un mot, puisque c'est vraiment un petit peu l'article, voilà, qui est méga contrefait, qui est super. Je sais pas comment dire, c'est super commun. Enfin en fait ça fait un petit peu j'exhibe le truc avec le, voilà, le gros logo au milieu, etc. Après voilà, les gros logos en soi ça me dérange pas forcément. Je pense que vous êtes au courant de ça. Après là je l'ai eu de mes propres mains. Il est magnifique, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le porter. Donc voilà, si ça se trouve dans un an je le revendrai. Je l'aurais porté 5 fois. Mais en tout cas je veux le porter un minimum. Et c'est parti, écoutez, j'ai envie d'ouvrir ce colis, putain. On y va. Ok. Alors, la facture, bien entendu, hein, qui ne vous intéresse pas. Pour info, voilà, ça a coûté quand même en tout 180€ avec la livraison, etc. Sachant que le mien là, c'est le vert, c'est le plus coté de tous. J'ai eu la chance, mais c'était celui qui était sur le, vous savez, le preview là, c'était celui qu'on voyait en grand. Donc forcément, ça pousse un peu le truc. Et en plus de ça, il était magnifique, il faut se l'avouer. Personnellement, c'était mon préféré avec le crème là, le blanc crème. J'en peux plus, j'ai envie de le voir. On y va. Ta-da-da-dam. Ok, merci à tous. Ils m'ont mis un sticker comme d'habitude. Voilà, magnifique. Donc ça c'est sticker box logo rouge classique. J'en ai à peu près des tonnes. Mais il y en a des fois des un petit peu différents quand il y a des collabs et tout. Donc voilà, bref, il est là, hein. Regardez, il est là, putain. C'est la première fois que j'ai un box logo suprême entre les mains. Ça fait tout drôle parce que franchement, en soi, je m'en bats les couilles, je vais vous le dire honnêtement. Mais c'est cool quoi, c'est le fruit d'un travail de longue haleine d'entraînement sur le site suprême. À cop des trucs pour les revendre, pour les garder, etc. Voilà, on va pas se mentir. Le voilà, regardez-le, il est sublime. Viens avec moi toi. Tes couleurs sont dégueulasses, on dirait qu'il est noir. Enfin je sais pas. Est-ce que vous voyez qu'il est vert les gars? On va le sortir de son sachet, vous en pensez quoi? Il est en taille M, il est vert, il est magnifique. Putain écoutez, c'est le plus beau, franchement, c'est le plus beau. Je vais peut-être garder l'emballage quand même. Ça peut toujours servir de preuve, on sait jamais. Là je vais tout garder, je vais faire attention à ça. Et le voilà, le voici, il est somptueux. Regardez-moi cette couleur, franchement, c'est green, forest green comme ça. Un petit peu plus foncé en vidéo là je dirais. Voilà, le logo est brodé dessus. Il n'y a pas grand chose à review hein, sur un box logo. C'est tout simplement un pull. Là pour le coup c'est un crew neck, donc c'est un pull sans capuche. Il est d'ailleurs assez épais, je suis content. Et il est franchement, attendez, faut que je le regarde quand même hein, de mes propres yeux. Et là il y a une grosse tache en plein milieu, tu sais. En vrai je dis ça parce que j'ai cru, mais ne vous inquiétez pas, il va bien. En tout cas il est magnifique et il est en taille M, il est sublime, je pense qu'il va m'aller à merveille. Franchement ça donne vraiment l'impression de qualité quand même. C'est un peu toujours un peu tordu comme ça vers l'arrière. Je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs. En tout cas voilà, c'est brodé dessus. C'est une espèce de gros logo comme ça, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est vraiment un peu l'emblème de la marque de manière générale, hein, les box logos. Moi c'est clairement pas pour ce genre d'item que j'aime cette marque, mais là c'est le fruit de beaucoup de choses. Donc je le garde pour l'instant, je vais le porter un petit peu. On va essayer de faire ça proprement. En tout cas,
Bah il est sublime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On va l'essayer, on va se poser là, s'il te plaît. En tout cas, si vous achetez ce genre de pièce à des particuliers, faites bien attention, hein, que ce soit bien legit, donc il faut vérifier plusieurs choses. L'étiquette qui est ici, ça s'appelle le hashtag. Voilà, faut bien que ça ressemble à ça, avec l'arrière également, également comme ça. Bien entendu, le principal qui est le lettrage, donc c'est le plus important, il faut que ce soit bien droit comme ça, que tout soit aligné. Bon, c'est assez particulier, on peut pas forcément voir à l'œil nu, mais il y en a franchement qui sautent aux yeux et qui sont dégueulasses. Et c'est également ça, voilà, il faut que les deux soient alignés comme ça, que ce soit un peu parallèle, vous voyez là, et que surtout ils soient séparés, voilà, pas complètement collés en train de faire des trucs chelous. Bref, je vais l'essayer, j'ai envie de voir à quoi ça va ressembler, ça va être cool je pense. Je reviens tout de suite, merci à tous, au revoir. Tadam! Regardez-moi ça comme c'est stylé, franchement il est trop cool. Je suis comme un gosse, franchement ça fait plaisir. Il y a un truc que j'aime bien déjà, c'est que il est un peu fat comme ça, il est un peu gros, il est pas trop juste au corps, vous voyez, il est vraiment un peu loose comme on dit. Il y a un col qui est assez haut aussi, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Il monte un peu comme ça, il est assez épais, franchement ça donne assez une impression de qualité je trouve par rapport à un long sleeve ou quoi. Mais je suis super content, voilà, j'ai envie de pleurer, non pas du tout. Je vais vous montrer de ce pied à quoi ça ressemble sur ma tenue là, toute simple. Je suis en chaussette, hein, faudra m'excuser. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est juste un pantalon noir un peu court comme ça, un bonnet noir, tout simple aussi. Et la couleur du truc qui est vert. Mais on voit rien en fait, je sais pas. Oh putain. Bah j'ouvre les volets mais en fait y'a pas plus de lumière dehors. Mais voilà, je sais pas si vous voyez. C'est pas grave au pire. Bref, voilà, en soi j'ai pas énormément de choses à ajouter en plus de ce que j'ai fait dans cette vidéo les gars, hein. Je suis désolé, qu'est-ce que vous voulez que j'invente là? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, en vrai c'est cool, ça fait plaisir, je suis content. Je suis peut-être un peu en boucle là à répéter ça sans arrêt. Mais ça fait plaisir parce que j'avais des gros doutes sur le fait que ce soit un crew neck. Je me suis dit est-ce que ça risque pas d'être un peu bizarre et tout. Mais finalement porté comme ça, tout simple, avec un t-shirt en dessous. Forcément, hein. Je trouve que ça rend plutôt bien, en plus ça peut être pratique pour mettre des doudounes et tout, parce qu'il n'y a pas de capuche et des fois les capuches ça peut être chiant. Je suis super content, je vais le porter hein, sans aucune peine, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Faites-vous plaisir, portez ce que vous aimez de toute façon, hein. Si ça vous fait plaisir c'est l'essentiel. J'ai fini de parler, voilà c'est fini, stop stop stop. Je vous laisse le kiffer une dernière fois, bavez pas trop les gars, je suis désolé. Hein. En tout cas c'était cool à faire cette petite vidéo, j'espère que le format vous a plu, même si en soi ben, c'était juste un unboxing. Hein. Je rentrais du taf, j'avais envie de me précipiter là, c'était mon premier jour. Après ce mois sans vidéo, ce mois sans temps pour moi, etc. J'étais avec ma chérie beaucoup, avec ma famille, c'était super cool, j'ai passé un mois extraordinaire vraiment. Et maintenant il est temps de reprendre les vidéos, le travail, etc. J'espère que vous êtes toujours aussi chaud, on va voir un petit peu des nouveaux formats sur la chaîne je pense, mais on en aura certainement parlé la dernière fois. Même si à mon avis j'aurais pas été très précis puisque j'ai pas beaucoup d'idées, ça sera de l'impro, mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et sur les réseaux sociaux qui s'afficheront juste en bas. Du coup moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et salut.